Alors aujourd'hui, je vais faire une très belle rumba. Alors j'ai aimé cette danse et en plus la musique. C'est une danse qui nous vient du Québec. En fin de compte, c'est une dame, je crois, Angie Mancini, qui en 2022 a fait ou a créé cette danse pour le Club Unidance de Québec. Ben, de la province, parce que c'est large, ce club-là. Et c'est l'origine, et Louis Perret, mais Michel Bourré, je crois. J'ai fait énormément de danse avec Monsieur Louis Perret il y a plusieurs années déjà. Alors, la musique, c'est Como tu mujer par Rocío Dúrcal. Donc, allons-y avec cette superbe danse, superbe rumba. Conmigo y olvidar que Dios te dé un castigo.
Alors, comme je n'ai pas vu l'explication de cette chorégraphie, je vais mettre mon explication. Et je crois que ça va faire l'affaire quand même. Alors, excusez les chorégraphes, la chorégraphe, si je fais une erreur dans le compte. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait deux sortes de mouvements, A et B. Le mouvement A est le suivant. 1, 2 et 3, 4 et 5. 6 et 7, 8 et 1. On reprend sur le deuxième mur. Alors, pour commencer, on va faire ça des 5 murs. Vous voyez? Rendu à ce mur-là, à la fin de ce mur-là, du cinquième mur, on va changer pour le mouvement B. Alors, le mouvement B. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va repartir la danse avec ce pied-là pour continuer le mouvement B. Alors, si on regarde, le mouvement A se fait sur 5 murs. On va faire le mouvement B sur 3 fois le mouvement B. Mais le mouvement B, ça ne se fait pas sur tous les murs. Ça se fait sur le mur de midi et 6 heures. Donc, on va faire une fois le mouvement B, deux fois le mouvement B, trois fois le mouvement B, et le mouvement A va recommencer sur le mur de 6 heures. Mouvement A, mouvement A. Mouvement A, et à la fin de ce mouvement-là, on va faire de nouveau 5 fois le mouvement B, qui se fait sur 2 murs, midi, 6 heures. Et à 5e fois, ce sera terminé. Alors, donc, c'est l'explication que je peux vous donner sur cette danse. It's difficult for me to explain this choreography because there is no count on the net for this dance. I will put mine in this and explain how I've seen this choreography too. So what I've seen is there is two kind of movement, A and B. So when you stop the dance, it's A movement, A, so 5 times. So let's look at A movement. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. So you do this wall. So A movement is done on 5 wall. When you do the 5th wall, when you handle this wall, you do the B movement. So I will do the last movement. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you do B movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you continue with B movement, because B movement is done on 2 walls only, 12 o'clock and 6 o'clock. So you do it 3 times, 1, 2, 3. When you handle this one, you are here, again you do A movement, 1, 2, 3.
this one, you do B movement again for 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. And this one, 5th one, is the last war with B movement.